C'est très bien. Sonia, monsieur, tout est bien. Je veux que tu continues comme ça. Garde bien la comptabilité de l'hôtel. Cette compagnie ne doit plus faire face à une perte financière, comme cela a été dans le passé. S'il te plaît, fais ton meilleur pour garder le compte à jour. Je t'en prie, ça doit être bien fait. Oui, okay? Je ferai de mon mieux. Voilà pourquoi je t'ai tout confié. Essaie de tout faire pour que les comptes soient mis à jour tous les jours. D'accord? Oui, monsieur. Ok, tu peux y aller. Merci, monsieur. Où est-ce que tu viens? Du bureau du directeur. Qu'est-ce que tu allais faire là-bas alors que tu étais supposé être à ton poste de responsabilité? Eh bien, je suis allé montrer le cahier de comptabilité au directeur comme il me l'a demandé. Tu as un problème avec ça? Vraiment? Très bien. Quand le temps viendra, je te parlerai. Attention! Prêt, marchez! 1, 2, 1, 2. Marchez, marchez, marchez. Joli bataillon. Bataillon qui marche au son de la musique. Nous avons des pas. Nous avons des pas. Nous avons des pas polo et nous avons des capitaines. Ils sont mis la gymnastique avec le sac au dos. 2, 1, 2, allez, vas-y, vas-y, continue. Attention! Halte! Ça y est! Comme ça, tu reviens. Par derrière, pied gauche, droite, yes. Gauche, droite, gauche. C'est comme ça que tu as appris à faire la chose? Hein? Désolé, monsieur. Pourquoi on est allé m'amener ce vilain là? Hein? Je t'apprends les choses et tu es en train de faire les choses comme un saoulé. Tu fais n'importe quoi. C'est comme ça qu'on fait? Si c'était dans une guerre, on t'a envoyé quelque part en mission pour faire quelque chose. C'est comme ça que tu allais gâter toute mon histoire, hein? Hein? Tu fais ça, j'allais t'abandonner là-bas seulement. Hein? Regarde comment tu as tenu de faire les choses. Hein? Désolé, monsieur. Désolé. Je t'ai dit faire doucement. Oui. Regarde-moi comment on fait ça. Oui, monsieur. Attention! Repos! Attention! Prêt-parti! 1, 2, 1, 2, 1, 2, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Hey, monsieur! Comment tu as fait pour entrer dans cette maison ici? Nous sommes là, nos quatre yeux sont là, mais on ne t'a pas vu entrer, hein? Tu as quitté où? Quoi? Mais le portail était ouvert et je suis rentré. Donc c'est la raison pour laquelle tu entres simplement parce que le portail est ouvert comme une voiture folle? Hein? Et tu rentres là seulement? Hein? C'est toi qui as ouvert ce portail, tu as laissé ça là? Hein? Tu vois un portail ouvert seulement et tu rentres seulement comme ça? Hein? Alors que tu n'as demandé permission à personne? Hein? Mais écoutez, je suis venu ici parce que c'est un hôtel et tout le monde peut venir ici. J'ai besoin d'une chambre, c'est pourquoi je suis là. Ah bon? Donc c'est comme ça que tu nous parles? Donne-moi ce sac! Hein? Ou bien on t'a envoyé ici pour nous faire quelque chose? C'est ça? Mais je ne comprends pas. Monsieur, vous avez quel problème? Savez-vous que je suis un client? Hé, hey, de quoi il parle celui-là? Tu peux être client ou n'importe quoi. C'est dans notre loi ici. Quand tu viens ici, c'est nous qui allons te voir d'abord. Hein? On ne sait même pas qui tu es. Tu rentres ici. Hé, hey, monsieur, lâche ce sac. Tu as un problème? Laisse ce sac. Donne le sac. Je ne dis rien dedans. Hé, donne le sac. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec ce sac? Hé, tu peux te taire là, toi. Tu ne sais pas que ça, c'est notre travail d'interroger les gens pour la sécurité de la maison. Et tu viens de parler comme un bébé. Reste en dehors de ça. Écoute, reste à ta place. Et tu nous laisses finir notre travail. Quand on aura fini, si tu as quelque chose à dire, tu viendras le dire. D'accord? Est-ce que tu sais ce qu'il est en train de faire? Tu sais ce qu'il est en train de faire? Et tu es là en train de parler? S'il y a les choses de Boko Haram dedans dans son sac maintenant, tu sais? Et tu es là en train de parler? S'il sort quelque chose là maintenant, tu as couru monter en haut. Hein? Dites à ces gars-là de laisser mon sac. Je suis venu ici avec mon agent. On est d'accord? Ok, monsieur. Puis-je vous demander pourquoi ils gardent votre sac?
Écoutez, je suis à la recherche d'un hôtel. J'ai vu la plaque, j'ai lu et je suis rentré. Et je veux une chambre pour me loger. Ai-je fait du mal? Il ment. Il a quelque chose dans le sac. Comment il peut parler comme ça? On doit fouiller son sac. Ancien soldat, vous savez que c'est un client qui est là pour loger dans cet hôtel. Si le directeur entend ça, vous savez ce qu'il allait dire? Attends, tu es en train de parler de quoi? Le client est venu pour loger dans l'hôtel. Mais il ne nous a pas dit ça, non? Il aurait dû dire qu'il a un client pour venir se loger ici, non? Hein? Il voit le portail, il voit, il rentre seulement. C'est ça qui nous a inquiété, nous. C'est ça que nous sommes en train de lui reprocher. Et rien d'autre. Normalement, c'est nous qui devons l'accompagner. Hey, nous devons garder son sac et l'amener. Hey, ne me touche pas. Hey, mon gars, prends son sac et accompagne-le à l'intérieur. Ça va. Vous avez deux sacs au dehors là-bas? Monsieur, vous voyez. Si le président entend ça, vous allez voir. Si le président voit, si j'entends quelque chose, tu verras de quel bois je me chauffe ici. Regarde-moi cette grosse-là. Chef, on reprend. On y va. Quitte là-bas, toi. Si tu suivais très bien tout ce que je te disais là, tu n'allais pas me mettre dans des problèmes comme ça. Je suis en train de t'éduquer, je te donne des leçons. Voilà comment tu es en train de me créer des problèmes. Mais tu vas voir, n'importe quoi. Ça est. Ah, chef, vous ne voulez pas? On y va. Hush now, my story. Close your eyes and sleep. Waltzing the waves. Diving the deep. Stars are shining bright. The wind is on the rise, whispering words of long lost lullabies. Oh, won't you come with me where the moon is made of gold and in the morning sun we'll be sailing. Oh, allez, viens, ma chérie. Viens dans le bar. Allez, viens dans mes bras. Allez, viens, ma chérie. Viens, embrasse-moi très fort. Oh, chérie. Voilà votre chambre, monsieur. Oui, merci beaucoup. Il y a quelque chose que vous voulez que je vous donne? Ok, juste un peu d'eau, s'il vous plaît. C'est tout ce que vous voulez, monsieur? Oui, c'est tout, madame. Ok, je reviens tout de suite. Et s'il vous plaît, ramenez la clé aussi. Attendez. Ok. Bibi, s'il te plaît, si tu as quelque chose à me dire, dis-le au lieu de me regarder comme si je faisais quelque chose de mauvais. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire à quelqu'un qui est incapable de tenir ses promesses? Oh, bébé, tu sais, je ne peux pas tout dire à mon père maintenant. Le même père à qui tu essaies de me cacher est le propriétaire de cet hôtel. Et il est censé être au courant de toutes les promotions. Je pensais que tu as dit que tu m'aimais. Mais bien sûr, je t'aime. Et que tu ferais tout ce que je voudrais, n'est-ce pas? Oui. Bébé, écoute, arrête de faire ce genre de choses, d'accord? Je le fais parce que c'est ce que tu mérites. Écoute, tu sais quoi? Je vais te montrer de quoi je suis capable. Et tu vois ces ronges derrière? Sois sûr que tu ne les toucheras plus jamais. Donc après avoir eu mon diplôme, je suis passé de travail en travail, espérant un job. Mais aucun n'est arrivé. Est-ce que tu es sérieuse? Mais où se trouve alors la nécessité d'aller à l'école si on retourne, nous ne pouvons pas avoir un travail? Hein? Non, ça c'est une question que je me suis toujours posée. Après être passé dans les chambres de 7 administrateurs différents. Ils m'ont tous promis de me donner un travail et de bonnes conditions. Seulement si je couchais avec eux. Oh mon Dieu. Donc, après avoir couché avec eux tous,
aucun d'entre eux ne t'a donné du travail? J'aurais souhaité n'avoir jamais couché avec tous ces hommes-là. Oh Seigneur, je me suis toujours demandé pourquoi les hommes sont aussi méchants. Pourquoi Dieu les a-t-il créés ainsi, hein? Ils ne peuvent jamais aimer une femme sans demander quelque chose en retour, hein? Hey, mais Amanda, laisse-moi te demander quelque chose. Est-ce que ça te dérange maintenant? Oui. Écoute, oublions tout ça. Vous les filles, vous parlez de quoi à l'heure de travail là? Rien de spécial, ma chérie. Ah. Laisse-moi retourner à ma boutique et compter mes boissons, ok? D'accord, je viens tout à l'heure. Écoute, est-ce que tu peux aller voir un client? Il est dans sa chambre, chambre 23, c'est un autre. Écoute, il a demandé à ce que tu viennes. Est-ce qu'il t'a remis l'argent? Essaie de voir avec lui. Ah, ok, d'accord. Je viens. Voici votre eau. Comment es-tu rentré? J'avais le double des clés, monsieur. Voici votre eau. Je ne vous ai pas demandé de me servir. Mais elle m'a demandé de vous servir. Elle n'aurait pas dû d'ailleurs. Vous voulez quelque chose d'autre? Non, rien du tout. Excusez-moi. Quel est votre nom? Vous le saurez dès que le temps viendra. Monsieur, voici l'eau que vous avez demandé. Une jeune fille me l'a déjà amenée. Pourquoi encore? Vous n'en avez que ça? Monsieur, vous avez dit que quelqu'un d'autre a ramené de l'eau? Bien sûr, tu l'as envoyé, non? Voici l'eau ici. Tu vois pas? Au fait, vous avez quoi? Je n'ai jamais dit à quelqu'un de vous apporter de l'eau, monsieur. Alors, moi je sais pas. Ce qui est sûr, elle est venue me servir de l'eau, c'est tout. Ok, merci monsieur. Mais je n'ai jamais demandé à quelqu'un de le servir. Qui a bien pu faire ça? Je dois trouver une solution. Ancien soldat, qu'est-ce que tu es en train de faire? Hein? Je n'arrive pas à croire que tu es en train de lire des livres. Donc, comment t'appelles? Amanda ou bien je ne sais quoi? Donc, tu as laissé ton poste de responsabilité juste pour venir ici et venir m'embêter avec tes conneries parce que seulement je suis un employé d'ici en tant que chef de sécurité? Chef de sécurité, tu auras dû t'appeler gardien et non chef de sécurité. Ah, tu penses que tu es un chef de sécurité? Écoute, arrête de rêver, mon frère. Écoute, le fait d'être analphabète te dérange autant. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que l'uniforme que je revais est celui d'un chef de sécurité, de classe et de haut niveau. Écoute, arrête de rêver, mon frère. Laisse-moi te dire, mon très cher,
Regarde-toi, ma chérie. Tu ris juste de tes propres calamités. Est-ce que tu sais que tu es très marrant? Hein? Façon, tu t'en fais rire, les gens, là. Pourquoi tu ne traites pas avec les autres comédiens comme Hawaii, Master Point, Agodai et tout cela, hein? Pareil pour toi. Écoute, il n'y a pas de moyen pour que je puisse jouer de ces comédiens dont tu viens de parler, non? Hein? Surtout celui que tu appelles Agodai. En anglais, ça veut dire « je vais mourir ». Moi, je ne mourrai pas pour voir la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Hein? Ou bien, c'est quoi? C'est quoi cette histoire-là? Hein? Écoute, je ne suis pas un comédien. Je suis de la vieille école, si tu veux. Et je suis fatigué de répondre à tes questions parce que ma bouche n'est pas un basket, d'accord? J'ai du travail à faire. Et je t'ai toujours dit, quand tu viendras ici, il n'y a rien de bon qui sortira de ta bouche. Hein? Donc si tu as vraiment fini de vomir tes conneries sur moi, quitte ici et va laver ta bouche là-bas. Ok. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Hein? Ne me touche pas. Hein? Regarde-les-moi. Elle se moque de moi. Et je veux partir, hein? Mais avant de partir là, je vais te demander quelque chose. Hein? Hein? Est-ce que tu as vu celui qui envoie les boissons aujourd'hui? Tu vois quand je dis que je suis fâché quand tu viens ici chaque fois? Hein? Dans un hôtel bien organisé comme celui-là, ici, quel est ou qu'est-ce qu'un agent de sécurité comme moi doit faire avec celui qui amène les boissons ici? Hein? Hein? Pourquoi cette question? D'où est-ce que tu es allé chercher cette question-là, hein, ma chère? Ou encore? Hein? J'ai vraiment pitié de toi. Hein? Tu es là seulement à rire. Tu as raté ton éducation, ma soeur. J'ai pitié de toi. Ok, ancien soldat, hein? Mais s'il te plaît, ne te fâche pas, d'accord, hein? Je suis venu seulement te demander si tu as vu celui qui amène les boissons aujourd'hui. Ce n'est pas pour t'énerver, d'accord? Si ce n'est pas que ma mère m'a dit de respecter les femmes, hein, ma chérie, je t'aurais déjà traité de vagabonde. Hey. Mais je ne t'appellerai pas vagabonde. Mais je suis tenté de t'appeler vagabonde. Allez, va-t'en, va faire ton travail. Ok, d'accord. Ah, c'est comme tu voudras, hein, ancien soldat, mais je te dis, tu es trop marrant. Il faut vite partir avant que quelqu'un ne vienne nous voir pensant que je suis fou comme toi. Quitte là, quitte devant moi. Oh, vraiment, j'ai pitié de toi, de cette génération-là. Qu'est-ce que tu faisais là depuis? J'étais avec le chef, non? Il m'a demandé de venir l'aider. Le PDG de cet hôtel qui te demande de l'aider, c'est ça? Pardon, ouvre ta bouche et dis-moi ce que tu allais faire là-bas. Écoute, tu veux l'entendre? D'accord. Rien de spécial. À part me demander d'où je suis venue, ce que j'aime manger, comment je m'appelle et voilà pourquoi j'ai choisi de travailler dans cet hôtel. C'est tout ce qu'il m'a demandé. Tu veux dire que c'est tout ce que vous êtes resté là à faire, à chatter, parler de ta vie, c'est ce que tu veux que j'avale, c'est ça? Oh non, qui est bête. Ben oui, laisse-moi te demander quelque chose. Quand un homme mature et une femme sont dans une même chambre, que penses-tu donc qu'ils sont en train de faire? Ah ah. C'est ceux qui sont ensemble là pour faire l'amour, non? Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire là tous les deux? Oh, c'est maintenant que tu as trouvé la réponse. Donc tu veux dire que tu baisais avec le patron? Et qui était en train de baiser avec le patron? Marché, tu ne me croiras pas. Notre très cher était avec le PDG depuis tout ce temps. Et puis qu'est-ce qu'il y a si elle couchait avec lui? Tu parles tout comme si on ne l'avait pas déjà fait avant. Quoi? Lola, le PDG a déjà couché avec toutes les filles qui travaillent ici. Il a déjà couché avec toutes les filles qui travaillent ici, donc ne fais pas attention à ce que Carole te dit. Mais qui t'a invité dans cette discussion, Madame Kwakwato? Personne. Oh, écoute, mon Dieu. S'il vous plaît, je veux demander, qui d'entre vous a envoyé de l'eau à la chambre 7? Ce n'est pas moi. Et toi, c'est toi qui l'as envoyé? Tu penses que je suis là pour faire le service? Je suis à la réception, désolée. Ok, merci. Non mais attends, pourquoi ne m'as-tu pas dit que le PDG a couché avec toi, hein? À Chao. Tant pis. Ah oui, la vie nous a réservé des surprises. Je suis né un jour, j'ai grandi. J'ai vu les gens mourir devant moi.
Je me suis demandé moi aussi un jour, je vais emprunter la même voie. La vie, la vie, la vie, la vie. Ça, c'est vraiment une très belle chanson. Je vous ai entendu depuis ma chambre. Je sais. Je sais très bien avant que vous me le dites. Oui, je sais. Je sais bien. Laisse-moi vous dire quelque chose. Vous voyez, cette chanson que je chantais, quand vous m'avez entendu, je l'ai chantée pendant l'enterrement de mon père qui était décédé. Et les gens laissaient tout ce qu'ils faisaient pour venir m'entourer et écouter. Je me suis posé la question de savoir pourquoi ces gens laissaient leur activité et venaient s'assembler maintenant autour de moi. Mon esprit m'a simplement dit que c'est parce qu'ils étaient en train d'apprécier la musique et qu'ils aiment ma voix. Juste tout comme vous l'avez fait maintenant. Donc vous pouvez voir que je sais que j'ai une belle voix. Avec ta belle voix, tu pourrais être un bon musicien si tu avais une bonne équipe. N'allez pas à ce côté-là. Quelle bonne musique pourrais-je? Juste parce que j'ai chanté une chanson? La chanson que j'ai chantée pendant l'enterrement de mon père? Ça veut dire que je peux devenir musicien? S'il vous plaît, ne me dis pas ce genre de choses. Si ce n'était pas que je vous avais déjà offensé avant et que je me suis excusé, vous allez me voir sous un autre jour. D'accord? Écoute, j'ai dit ça seulement parce que j'ai constaté que tu avais une belle voix et que tu pourrais être un bon musicien. C'est ce que je suis en train de vous dire ça. C'est ce que je suis en train de vous expliquer ça. Me comparer juste à un musicien, c'est méchant. Écoutez, je ne veux plus vous offenser encore. Donc, ne m'offensez pas. D'accord, je suis désolé si j'étais offensé, ok? D'ailleurs, si je suis venu, c'est juste pour te demander un petit service. Mais prendre des cartes de recharge. Que voulez-vous dire par carte de recharge? Je parle des crédits pour les téléphones ou quoi? L'éducation est en train de se perdre finalement. Pas vraiment, monsieur. Donc, c'est le crédit qu'on met dans le téléphone. Ce qu'on achète dans le téléphone pour pouvoir communiquer. C'est ça que vous avez changé de nom maintenant pour appeler. Carte de recharge? Hein? D'accord. Si ce n'était pas que j'étais vraiment occupé, j'allais vous aider. Vous voyez, non? Si mon patron vient me voir maintenant, il dira que j'ai abandonné mon travail. Donc, je ne peux pas. Sinon, je vous aurais déjà aidé. D'accord, pas de problème. Mais je peux vous aider à faire votre travail. Non, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire comme ça? Vous voulez faire mon travail? Pour que mon patron vienne parler? On vous a envoyé. Si mon patron vient voir ça maintenant, il va dire que j'utilise les clients pour faire les travaux qu'on m'a donnés à moi-même. C'est ça, vous voulez me créer comme problème ici? Non, mais écoute, arrêtez de parler comme ça. C'est pas comment envoyer. Vous savez, dans ma maison, j'ai des fleurs, des arbustes et beaucoup de choses. Et j'ai l'habitude de les arroser, les couper et prendre soin d'eux, c'est tout. Ah bon? Vous dites que dans votre maison, vous avez des fleurs, des arbustes, oui, comme bien ici? Sûr, beaucoup. Et vous vous en occupez bien, comme ici? Bien sûr, très bien même, je m'en occupe. Vous savez, on appelle ça la jardinerie. Et tous ceux qui font ce genre de choses, on les appelle les jardiniers. Donc, en quelque sorte, vous êtes en train de me dire que vous êtes un jardinier. Bon, c'est toi qui le dis, mon frère. Ah bon? Donc, laissez-moi vous aider. D'accord. Tenez ceci, achetez-moi juste du crédit, ok? J'en ai besoin. Pendant ce temps, je serai en train de m'occuper de vos fleurs. Ok, d'accord. Tout à l'heure. Oui. Venez acheter des cartes de recharge. 4-4-4. Tous les réseaux compris. Move MTN Glow. Move MTN Glow. Hey, toi, viens ici. Arrête de crier comme ça. Hein? Donc, c'est comme ça que vous là, vous faites vos business pour vendre des cartes de recharge en criant partout dans les rues comme ça. Hein? C'est comme ça le commerce? C'est ce que nous pouvons faire pour vendre. C'est la voie la plus facile. Qui t'a dit que cette voie-là est facile? Qui t'a dit ça? Tu es là en train de crier partout et tu penses que c'est une voie facile. Qui t'a dit ça? Au lieu de chercher un endroit pour t'asseoir et attendre que les clients viennent chez toi acheter, tu perds ton temps. Tu vois, monsieur, on n'a pas le choix. C'est ce que nous faisons pour que les gens viennent acheter. C'est une bonne stratégie pour que les gens viennent acheter. Écoute, mon frère, tu es en train de souffrir trop. Hein?
Quelle est cette façon de vendre? Pourquoi ne pas trouver une chaise et un petit endroit où tu t'assieds? Tu restes là, tu es à l'aise. Les gens viendront acheter ton crédit chez toi. Ah, mon frère, quel est ton problème? Qu'est-ce qui vous concerne dedans? Tu m'appelles, mon frère. Écoute, je suis désolé. D'accord, pas de problème. Ce n'est pas un souci. C'est moi qui suis venu vers toi pour te voir, non? Je suis chef de sécurité et tu m'appelles, mon frère. Écoute, mon ami, vends ma crédit, je vais partir. D'accord, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? MTN, Move, Glow ou quoi? Orange? Ah, excuse-moi, je reviens. 4 SIM, 4 SIM. Crédit, MTN, Move, Glow. Bonsoir, tata. Pour combien? 2000? Tiens, merci beaucoup, ma soeur. Pas de quoi? 4 4 de crédit, 4 de recharge. Venez assez. Mon frère, ça finit déjà? Oui, j'ai fini déjà et j'ai dû t'attendre parce que je ne t'ai pas dit le numéro de ma chambre. Alors, où sont les cartes? Il y a eu un problème là-bas parce que... Et c'est pour cela même que je suis revenu. Vous avez oublié de me dire quel réseau de cartes vous voulez acheter. Si c'est MTN, Glow, quelque chose. Oh putain, c'est un oubli, c'est MTN, je veux. MTN? Oui. Ok. Je vais le prendre avec tout l'argent, c'est ça? Oui, achète pour tout l'argent. Mais pour cette fois-ci, je ne t'attendrai pas. Dès que tu seras là, viens à la réception et demande d'après moi, ok? Tout à l'heure, d'accord? Merci beaucoup mon frère. Tout. Vous êtes un bon gars. Je vous aime bien. À tout à l'heure. Qui es-tu? Qui je suis n'est pas important. Ce qui est important, c'est que je suis parmi vous. Mais tu ne m'as pas dit qui tu es. Rihanna. Ah! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh, tu m'as fait peur. Tu sais ce que s'est passé? C'est quoi? Tu sais, j'ai vu une fille. J'ai vu une fille, je te dis, en uniforme juste comme nous. Et elle vient juste de disparaître. Et crois-moi, je ne l'avais jamais vue ici avant. De quoi parles-tu? J'ai vu une fille, je te dis. Oh mon Dieu, je sais que tu n'allais pas me croire, Amanda. Écoute, comme tu peux le voir, c'est moi, Amanda. Est-ce que tu as pris de la boisson? Oh mon Dieu, non, je te dis que j'ai bien vu ce que j'ai vu, Amanda. Tu veux que je te croie que tu as vu une fille ici qui est un monstre qui a disparu? Si réellement c'est que tu n'as pas bu, alors je pense que tu devrais arrêter de regarder les films d'horreur parce que ça va te faire vraiment du mal. Mais qui te parle de films d'horreur ici? Je sais exactement ce que j'ai vu et je t'ai dit que je lui demande... Tais-toi, écoute, arrête de parler. Écoute, je n'ai pas le temps d'écouter tes conneries. Tu sais quoi? Va te laver, repose-toi et mange quelque chose. Parce que dans ton état, tu ne feras que faire peur aux autres. Arrête de te comporter comme ça. Tu vois des fantômes maintenant. Tu ne veux pas me croire, hein? Je sais ce que j'ai vu, Amanda. Oui? Écoute, je n'ai pas encore fini de tout arranger. J'espère que d'ici là, ce sera fait, d'accord? Ok. Écoute, excuse-moi. Patiente-toi un peu. J'espère que quelqu'un frappe à la porte. Qui est-ce? Écoute, j'espère qu'il y avait quelqu'un à la porte, mais il n'y a personne. Écoute, ce que nous allons faire, il faut que tu puisses venir me voir pour qu'on puisse finaliser les choses, d'accord? Oui, j'ai compris tout ça, oui. Ok. Non, je sais, pas de problème. Écoute, je vais te rappeler, il semble que quelqu'un frappe encore à la porte. À tout à l'heure. Qui est là? Je t'ai fait peur. Qu'est-ce que tu veux? Je te veux. J'aimerais avoir ta peau. Ça va dans ta tête? Je veux te sentir. On dirait que tu es malade. Qu'est-ce que tu veux?
Sors de ma chambre. Regarde-moi. Para, tu es en train de travailler? Oui, je travaille un peu. Tu vas où comme ça? Je suis en train de sortir. Tu veux sortir, revenir ou bien tu t'en vas définitivement parce que tu as pris ton sac? Quel est ce genre de questions que tu me poses? Le genre de questions que je te pose est que tu dois me dire où tu vas exactement. Hein? Parce que c'est le patron qui m'a donné cette instruction de demander à tous ceux qui veulent sortir d'ici de me dire là où ils vont. Donc, où est-ce que tu vas? Est-ce que tu es en train de m'insulter? J'aime pas ça, un vieux coco. Hé! Hey! Hey! Moi? Akpara? L'agent en sécurité de cette maison? C'est moi que tu appelles coco? Tu es malade? Hein? Ok, tu veux m'insulter, c'est ça? Attends, tu vas voir de quoi je suis capable. Tu veux voir ce que je vais te faire, non? Attends, tu vas voir ce que je vais te faire. Akpara, laisse-moi tranquille. Rentre à l'intérieur. Akpara, laisse-moi tranquille. Je n'aime pas ça. Rentre dedans, vite. Laisse-moi tranquille, je te rentre dis. Dedans. Laisse-moi. Rentre. Oh, rentre. Qu'est-ce qui se passe ici? Bonsoir, monsieur. Oui, ça va? Cette fille que vous voyez, monsieur, elle travaille ici. Maintenant, elle prend son sac et elle veut sortir. Je lui demande simplement où est-ce qu'elle s'en va. Elle se met à m'insulter. Écoute-toi, tu vas où? Monsieur, j'ai eu une urgence à l'hôpital avec mes parents et ils ont besoin de moi là-bas. Oh, d'accord, tu es parti. Mais je veux que tu reviennes demain matin très tôt. Très tôt, hein. Ok? Vas-y. Yay! Hein? Patron, cette fille-là, je vous jure. Laisse-la partir, il n'y a pas de problème pour ça. Continue ton travail. Ok, monsieur. Tu vois, c'est à cause de ça que tu marches comme ça? Hein, tu veux m'embêter, c'est ça, non? Hey! Oh! Tu veux m'embêter, c'est ça? Attends, attends, tu vas voir. Idiot! Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Mais qu'est-ce que je fais ici? Que fais-tu ici? Allez, sors de mon lit. Dehors, tu n'entends pas? Sors! C'est pas ma faute. Waiting for, is it you, maybe
J'aimerais tellement qu'il prenne conscience de tout l'amour que j'ai pour lui, mais... Ne penses-tu pas que tes sentiments sont en train de prendre le dessus sur toi-même? Non, je veux juste qu'il soit pour moi seul. C'est tout, parce que je l'aime beaucoup, parce que je ne sais plus comment faire. J'espère que tu l'aimes vraiment. Oh, bien sûr que je l'aime. Je ne peux même pas vivre 5 minutes sans lui, non. Tu l'aimes pour ce qu'il est ou parce qu'il a de l'argent? Ça, je ne sais pas, mais écoute, ce que je veux juste, c'est qu'il soit à moi tout seul, c'est tout. Je ne veux pas le partager, hein, tu comprends? D'accord. Je pense que je dois te présenter à quelqu'un qui doit pouvoir être en mesure de t'aider si c'est vraiment ton désir. Es-tu sérieuse? Oui, bien sûr que je suis sérieuse. Alors vraiment, qui est cette personne? Rapproche-toi, je te dirai. Hichab Nago, parle. Ma fille, tu as vraiment traversé un long chemin pour venir trouver ce que tu veux. Mais ce que je veux te demander, est-ce que tu le veux vraiment tout seul pour toi? Je ne suis pas venu ici juste pour avoir une partie de lui. Je sais ce que je veux et c'est pour ça que je suis là. Combien de temps? Ça fait combien de temps que tu le connais? Je pense que ça doit faire au moins 3 mois maintenant. Est-ce qu'il a déjà vu ta nudité une fois? C'est-à-dire coucher avec toi? Oui, mais je veux dire non. Oubliez jamais, non. Ma fille... Ne nous mens pas, parce que les esprits sont au courant de tout et ça peut tout changer ici. Écoutez, Baba, je vous dis de tout faire seulement pour qu'il puisse m'aimer moi seul. Je vous en prie. D'accord. Ishebunogo. Ishebunogo. Le pouvoir. Parle, je t'entends. Prends ces 50 naira, ma fille. Dis tout ce que tu veux sur cet argent. Tout ce que tu veux de lui, dis-le. Puis finalement, dépose-le dans ce pot. Hey! Ishebunago! Ma fille. Oui, Baba. Tu dois vraiment faire attention. Tu te trouves devant une situation très délicate. Laisse-moi t'expliquer pourquoi je dis ça. Je sais ce que tu veux. Mais laisse-moi t'avertir. Si cet homme a déjà couché avec toi avant, ce que nous voulons commencer maintenant va travailler juste pour un moment. Un petit moment. Et après ce temps, rien que des problèmes. Problème. Je dis problème.